Les Dragons viennent de remporter une importante victoire cet après-midi. Vos impressions après cette rencontre qui a été, ma foi, très, très, très compliquée pour vous à un moment donné? Mes impressions, elles sont bonnes. La première des choses, je remercie le public qui est sorti massivement pour nous supporter. Malgré nos 4 défaites qu'on a fait, les matchs passés, ils sont sortis, venus nous supporter à domicile. Encore une fois, je les dis merci. Et je remercie les frères du Nord aussi qui sont venus nous soutenir. Et les parents qui sont au Nord là-bas, je les dis grand merci. Et je remercie Dieu pour l'honneur qu'il m'a fait pour ce soir encore. Grâce à lui, j'ai marqué. Oui, justement, parlons de cette tête. Vous n'êtes pas le plus élancé, mais d'où vous êtes venu cette inspiration pour la tête? Mon inspiration pour la tête, je l'ai eu chez un de mes frères appelé Shérif, j'ai dit Shérif Hamissou. Un ancien joueur de Lyon qui a fait l'équipe nationale. C'est grâce à ces entraînements que je suis venu. Vraiment, je lui dis merci encore depuis le début. Avant cette rencontre, les Dragons ont aligné 4 défaites d'affilée. Et vous remportez. Quel a été le discours du coach durant ces 2 dernières semaines parce que vous étiez au repos la semaine passée? Vraiment, le discours du coach était propre. Il nous a beaucoup motivés. Et nous aussi, on était concernés, fort dans la tête. On s'est dit que vraiment, comment dit-on, le mauvais vent doit passer aujourd'hui. Aujourd'hui doit être notre honneur. Et grâce à Dieu, aujourd'hui a été notre honneur. On a remporté les 3 points. Encore une fois, Dieu merci. Merci, Bala.